Eh bien, bonjour à tous et un bon matin. Alors, nous voici dans la cinquième journée. Alors, la journée que on déménage, qu'on va explorer la fameuse map. Et puis, bon, regardez un peu. Ok, oui, il m'en manque juste une portion. J'ai la viande. Ça ne dure une journée. Non, ouais. En tout cas, ça a l'air d'être bon. Ça m'a l'air d'être bon pour ça. Le feu de camp est éteint ou il a été consommé. Je peux prendre peut-être. Ah oui, il est 7h le matin. On a le temps, on a le temps. Quand même, là, c'est juste une gorgée là. Ok, ça, ça l'a fait un petit peu mieux. Excellent. Bon, aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est d'aller voir. La nouvelle localisation. Fait que ça, je veux faire. Et ça, là. C'est parce que. Ouais, c'est le même poids. Hein? Vois-tu, lui, il est 30%. Puis lui, il est 16. Non, 14%, excuse-moi. Fait que. J'ai des doutes que. Ça va s'en prendre. Une. Deux. Tiens, on va s'en prendre deux parce que je le sais pas, man. Je me souviens pas si j'ai vu des serpents dans ça, mais... Ah oui, je vais vous montrer le ash dressing. Je sais pas exactement à quoi qui sert le ash dressing, là, mais c'est un autre pansement. Alors, tu prends les cendres de ton feu comme ça, puis tu fais un ash dressing, c'est tout. Alors, un pansement aux cendres. Je sais pas. Hein? Comme ça. Hein? L'ordre, parfait. Ok, ça c'est bon. Ah ben il n'y a pas plus hein de. J'ai fait un long de dos. Ben oui, ça fonctionne. En fait que j'ai pas besoin de bâtir de feu en dessous. Nice. Ok, ça coûte quoi pour le faire ça? Hein, faut que je le trouve là. Parce que j'ai aucune idée où est-ce que c'est. J'ai jamais bâti. Bon, c'est pas là. Là, non. Là, dans le feu, peut-être. Oui, oui, il est là. Le dryer. Alors, 7, 11 cordes. Aïe, aïe. Ah, ben, gardons ça. Bone needle. Garde. Bone needle. Ah, ah, ben, je sais quoi faire avec ça à cette heure. Ah, ben, je savais hein, qu'on était pour éventuellement le savoir. Mais ça, ça a l'air à prendre beaucoup de temps. Hein? Bon. La nouvelle localisation, là, ça se trouve au 50 West 16 Sud. Fait que ce serait par là. Je veux juste être certain de rien manquer. Parce que j'ai aucune idée combien de temps que ça va me prendre pour me rendre là. Puis comme j'ai dit, je sais pas si... Ah, de l'eau encore. Je sais pas si... qu'est-ce que je veux dire? Ah, je sais même pas si je vais me rendre. Je vais peut-être trouver d'autres choses avant. Hein. Parfait. Donc, deux bidons. Complètement rempli. Ça c'est bon, j'ai ma viande. Une dernière gorgée d'eau. Ok, j'ai rien, fantastique. Je sais pas pourquoi. Non, il ramasse pas, mais va-t'en. Ok, les noix, ça c'est bon par contre. Maggot. Ben, on veut pas rien savoir des maggots. Ça, par contre, peut-être. Ok, là, j'ai pas besoin de viande. J'ai rien besoin là, qui va me mettre... ok, par là. J'ai pas besoin de rien là, qui va donner du poids. Arrêtez, il me jette des bâtons même devant moi. J'en veux pas de bâtons.
Ah, je pensais que c'était une banane. Ben non, pas une banane. Banane, ça aurait été bon avant de partir. Mais pas grave, pas grave, pas grave. On va sûrement en trouver d'autres, des bananes. Il y a des fruits. C'est bon, ces fruits-là. Puis il y a un serpent juste là, là. Et toi. Ouais, donne-moi ma flèche. On va le dépecer. On sait jamais. Une petite urgence comme ça. Ensuite, ma barre de santé, il en manque pas grand-chose. Barre d'énergie, quand même relativement bien. Fait que je pense que on est bon, on est bon. Ah, j'ai vraiment hâte de vous montrer cette grotte-là. Moi, là, en tout cas, je la trouve là, fantastique. Là, on peut commencer à ramasser des bâtons. Là, on est sorti de notre territoire. Là. Et par là, c'est le sud. Je voudrais que je monte en haut. C'est une entrée, ça? Non, ça c'est... Je peux-tu sauter par-dessus les roches? Je peux-tu monter par là? Ok, ça c'est fait. C'est pas, hein? Vas-y, mon gars. Trouve-toi un moyen, là. Vas-y, 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 vas-y. Ah, oui, oui. Ah! On dira pas qu'est-ce que je pense quand il fait ces bruits-là. T'es garde, là, c'est peu... Ben, là. Mais je pense pas que je vais être capable de monter ça, là, mais... Au moins, on aura fait... Ah oui, vas-y! Bon. Alright! Good stuff. Tu sais, c'est bon, hein, d'avoir une barre d'énergie bien remplie. Il faut faire attention aux serpents. Par là. Et puis c'est pas trop pire, là j'étais à ouest 90, faut que j'aille à ouest 50. Ah, regardez, hop. Ça, ça peut être bon. Il y a quelque chose juste là, là, en avant de nous autres. Là. La plante que je viens de ramasser, là. Je sais jamais si c'est la plante pour le Lily Dressing ou si c'est la plante pour... Mais celle-là, je la connais. Ah ben. Ça, c'était une des seules plantes qui me manquait. Ça, là, c'est extrêmement important. Ça, ça fait du un Tobacco Dressing. Alors ça, là, quand tu te fais mordre par un serpent... Surtout par un serpent, parce que moi, c'est qu'est-ce que je me fais mordre très souvent. C'est... Ah oui, tu mets ça, puis ça... ça te protège contre le poison. Il y a quelque chose qui... Weird, man. Lâchez-moi tranquille. Juste en cas, parce qu'avec l'armure, là... Tu gars, j'en ai fait un en fibre aussi. Ouais, ça, je reconnais ça, ce camp-là aussi. Ouais. Ça, c'est le camp où est-ce qu'ils font de la cocaïne. Mais on est dans la bonne direction. Ça, je vais essayer d'éviter ça avec le petit. On veut pas y montrer les méchancetés du monde. En tout cas, il va l'apprendre par lui-même, mais je veux pas être celui qui va y montrer. Ben, ça, c'est un bel endroit aussi. On a quelques technologies ici à apprendre. Oh!
On a la grosse bulle. C'est pas une bulle, là, mais... Oh, comment t'appelles ça? Root? Racine. Racine, et voilà. Ah ouais. C'est long, ton affaire. Ok, elle est là. Fait qu'on va se faire un petit campement ici. On va explorer qu'est-ce qu'on a exploré là, pour peut-être quoi? Deux, trois jours, là, peut-être trois là. On verra, verra. Et de toute façon, on semble être dans la bonne direction pour trouver la grotte. Fait que on la trouvera pas aujourd'hui, là, évidemment. Painkiller. Y'a-t-il quelqu'un qui sait à quoi ça sert les painkillers? Honnêtement. Pourquoi qu'ils mettent des painkillers dans le jeu? Je sais à quoi que ça sert les painkillers, mais pourquoi dans le jeu? Ouais, tu sais, regarde ici, là, t'as à peu près comme 4 matelas que tu peux te coucher. T'as des chips, t'as des petits snacks, t'as des affaires comme ça. Fait que si jamais que t'es mal pris, ben c'est l'endroit. Puis ici aussi, je pense qu'on a un bon... T'es peu. Ok, je peux-tu parler là? Ouais, et ici aussi, on a un bon respawn pour les roches. Fait qu'on peut définitivement se bâtir le... Le feu de camp, le gros feu de camp là. Si je me souviens, on peut installer des choses sur la table. Tu vois? Comme ça. Ok. Ça, je vais m'en faire bouillir, là, mais pas tout de suite. Là. Bon, deux tobacco. Nice! Ok, écoute, là, je suis super content. Là, je commence à avoir du bon sens. Ok, arrête. Bon, on va se rebâtir une petite quantité de plumes. Hein, pour se faire des flèches plus tard. Check me ça, man. Garde, il y a le... l'Amertello, là, ou Amadello, ou whatever. Puis il y a ça, là. Regarde là. Fait qu'on va pouvoir se faire notre première armure. Non, pas ça, niaiseux. On va pouvoir se faire notre... Et voilà! Notre première armure! Nice! Amadello. Ben, je pense que c'est ça. Whatever. Cette bibite là. Moi, je l'appelle la bibite. Ben, tout est pas mal la bibite dans le jeu, là, mais... Ah. Ouais, garde ça là. T'approches comme ça. Puis là, quand tu vois ça là, tu ramasses une fourmi. Regarde, elle est dans mon sac là. Juste là, on la voit pas. Elle est tout petite, man. Une fourmi. Ça, j'ai une petite idée, c'est quoi? Je l'ai jamais expérimenté, mais bien sûr, je l'ai vu sur un vidéo là. Bon, on va avoir des feuilles. Tiens. Plein de feuilles. Fait que je veux faire une construction. Toi, t'es dans mon chemin. Et puis, ben pour ceux qui connaissent le jeu, vous vous souvenez ici, c'est l'endroit pour les bambous. Fait qu'on peut se bâtir un abri, comme on a fait à l'autre camp. Mais cette fois-ci, en bambou.
Ah, puis j'adore le bambou. C'est bien moins compliqué. Bien moins compliqué. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ici en avant? Tu sais, bamboo frame. Le plus que le jeu va me le permettre, là. Et en dessous, hein, je passe, hein, tu vois? Et en dessous, on va mettre le feu de camp. Ça, j'ai super hâte de l'essayer. Il est cher, par contre. Il va me prendre du temps à bâtir. C'est pour ça que je disais tantôt. On peut pas l'installer, là? Pourquoi? Allô? OK. All right. Ici. Ben, mais si je l'installe là, je peux pas installer mon affaire par-dessus. Niaiseux. On va l'essayer, là, mais je pense sérieusement pas que ça va fonctionner. Non, regarde, c'est rouge, man. Non, mais puis je voulais pas mettre un... Oups, excusez. Je voulais pas mettre un abri comme ça en plein milieu du chemin, là. Il faut se trouver un autre endroit. Mais il va où, ce feu-là? OK, va pas là. Oh, que je passe... Non. C'est pour dire que je passe très proche même du nid de fourmis. Ah, mais ici, c'est pas trop pire. Hein? OK, pas là, là. Mais ici, là, comme ça, là. Hein? Hein? OK. Ah, puis gros, regarde, ça fonctionne. Bon. Excellent, ça. Ouais, là, je sais que je vais... Ah, je vais me faire mordre, man. Je vais me faire mordre. Ah. Il doit avoir un moyen... Check bien ça. 1. 2. 3. T'as 3 troncs par arbre. Versus le bois régulier. Parce que t'en as 2, puis il faut toujours que tu cours après. Parce que tu sais pas ce qu'ils ont atterri, là, ou ce qu'ils ont tombé. Il en manque un. Ah, tu vois? Regarde. Damn it. Ben oui, c'est ça. Je le savais. Je le savais, man. D'avoir un moyen de détruire cette... Ah. OK, où est-ce qu'il m'a mordu? Là? Non. Là? Non. Là? Non. Là? Oui. Check ça. Fait que, heureusement, j'ai... ben, écoute, je suis pas obligé de prendre le pansement, mais je vais le prendre, là, parce que... Mon énergie est pas forte, ma barre de santé est pas forte. Puis ça, évidemment, j'ai pas de place. Je pourrais pas le mettre. Parce que, gabin. OK? Il est là. Right? Je peux pas le placer. C'est comme, c'est l'enfer. Après ça, je me demande pourquoi je suis frustré dans le jeu. Piece of shit. Ah oui, c'est ça. Dis-y, bordel. Tu gardes 3. Tombe. 1, 2, 3. Un à côté de l'autre. J'ai juste un pansement, hein. Fait que... on va faire attention quand même, là. Et je vais manger un peu parce que ça va redonner un tout petit peu d'énergie. Ça va monter aussi la petite barre de santé. Est-ce que j'ai comme l'impression que ça va me prendre du temps à faire le feu de camp? Mais bon, ça va être pour collecter de l'eau pendant qu'il peut. Ben, on va passer par ici. Allez, vas-y, mon gars, passe.
Ah, ben tiens, regarde, on a déjà une roche. Il en faut 12 comme ça. Hein? Écoute, un gars, faut bien que tu sois patient, là. T'as 12 roches à ramasser. Là, il en reste 11. Check bien ces bambous-là. Check bien ça. Check bien ça. Oups, non. Faut pas que tu casses ça dans les airs. Check bien. Alors, d'un seul coup, t'as 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il est le cinquième? Come on! Ok, je l'ai peut-être cassé dans les airs. Généralement, t'en as 5. Le problème que je viens juste de m'apercevoir, c'est que j'ai pas de corde. Puis dans la forêt de bambou, il y en a pas de corde. Fait que je pense que... Ouais. Écoute. Ok, non, mais c'est vrai, c'est-tu quoi? L'autre bord de la route, du chemin, il y en a. Ouais, quand t'as des arbres réguliers, là. Je peux me faire au moins un petit feu de camp, là. Ben, ça va aider. Je peux pas le placer à l'intérieur, hein? Non. Ici, il y avait quelque chose, là. Non? Ok, là, non, à cause de la plante, mais on veut rien savoir, je vais pas le mettre là. Tiens, ici, je pense. Tiens. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tiens, juste comme ça. Ah, il manque 3 bâtons. Bon, ça va me permettre d'aller chercher de la corde en même temps. Ah, puis là, il commence à faire noir. Oh! Vous allez pas voir. Moi, je vous dirais pour les 5 à 10 prochaines minutes, là. Ajustez le brightness de votre écran. Ou ça va rien donner, là, mais... puis je me promène plein... Ah, man! Et 8 cordes, papé. Ça, j'en aurai de besoin pour mon énergie. Et puis là, je suis en train de trimballer des sangsues avec moi, bien sûr. Non, non, c'est pas frustrant le jeu. C'est absolument. Non, c'est cool. C'est un plaisir. hey, surtout après une journée de travail. T'en viens faire ça. Faut que tu cours partout, t'es dans le noir, tu marches dans les buissons, ah ouais donc. Les journées durent pas assez longtemps dans ce jeu-là. Mais c'est comme ça d'à peu près dans tous les jeux, moi j'ai remarqué. Tous les jeux en accès anticipé, là, quand ils sortent, là, avant que les devs réalisent que... On jouerait plus longtemps à ton jeu, man, s'il y avait plus de clarté. Il en manque juste un. Un. Wow. Il y a toutes sortes de bruits aussi. Que tu veux que je marche là-dedans. Puis la torche est bonne. Moi, j'aime bien la torche. La torche, là, écoute, elle serait fonctionnelle au moment où on se parle, mais là, j'ai pas de feu. faut que je me bâtisse un feu avant de faire la torche. Qu'est-ce que tu veux? Ben là, c'est complètement noir, mais complètement. Dans le noir, en train de chercher un bâton. Écoute, si j'en trouve pas, je vais me couper un arme. Regarde, je niaiserai pas avec ça, là. Regarde, juste là, là. Ah ben! Mais ben, sais-tu quoi? Il n'y a besoin de plus qu'un, anyway. Ah ouais, let's go. Bon, j'ai pas besoin de long bâton, là. Harvest.
Non, non. Il y a un autre long bâton quelque part, mais... Là, il est là. Ça, c'est le petit bâton. Ça, c'est le gros bâton. Allez, harvest. Bon, ok, là, je suis rendu à 8 moyens bâtons. Mais vite-tu. Bon. Un autre noix de coco. Ah, ça, ça va aider, man, pour mon énergie, parce que j'ai comme l'impression que... J'ai même pas fini encore le... l'abri en bas pour faire ma sauvegarde. On est déjà rendu à 26 minutes du jeu. Oh! Ça va être long. Les cordes. Les cordes. Ben ça, il sera pas vraiment utile, hein? Ok. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Non! Pas sérieux. Je sais pas. Ils font pas de bruit, eux autres. Quand t'es déposé. C'est que ça. Puis pourtant, j'entends... Puis garde, j'ai plus de bruit quand je ramasse les objets. Mais j'entends la pluie. Eh ben. Eh ben, eh ben. Ah! La pluie est revenue. OK. C'est lui que je voulais enlever de là. Il sera pas utile pour l'instant, là. Moi, je pensais que j'étais pour être capable de le terminer aujourd'hui, là. OK, tout là, là. Fatigant. Ah. Alright, OK. Donc. On recommence. Ça, c'est bon. Et arrêtez de pleuvoir, on va aller faire le feu. Vite, vite, vite. Et voilà. Bitch! Oui, oui, c'est ça. Cri, cri. Vas-y, 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 vas-y. Yes. Oh, yes! C'est ça. Grosse jouissance. All right. Lâche pas, mon gars. Alors, on peut faire cuire ça. On peut faire cuire ça. On fera cuire ça après. Ça aussi. Donner ça à terre. Ça sur la table. On s'occupe ça. On va s'occuper de ça plus tard. Là. J'ai d'autres tests à faire anyway avec ces affaires-là. Ça. 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 La viande est-tu prête? Yes. Un autre. Il faut que je gagne un peu de santé. Là. Bon, sont où les sangsues? Non. Non. Ah ben good, ils sont sur la jambe que j'ai pas d'armure, fait que c'est correct. Il en reste un autre. Et là. Ah. Alright. Ok. Good, good, good. Bon, qu'est-ce qui... Ah. Ah. Manger. Il en reste un autre morceau, hein. Parfait. Puis, on peut attendre. Puis on va se faire cuire la racine. Comme ça. De l'eau. Ça c'est de l'eau propre, pas besoin d'attendre. Et voilà. Good! Nice job!
Et on va se dépêcher là, mais parce que vous allez être encore devant l'écran demain matin. Puis finalement, j'aurai pas fini de vidéo. Ah oui, ah oui. Et en passant, je dis un grand merci à mon collègue qui a pu faire le upload de tous les vidéos que vous pouvez voir. Alors je lui dis un grand merci. Ça. Et ceci. Et voilà. Nice, man. Look at that. Alright, là on va se faire le toit. Alors bambou, pour moi, c'est égal à banane. Un bananier puis un bambou, whatever. Pas la même chose, mais regarde, c'est pas grave. Ça fait du matériel de construction différent. Vas-y mon gars, coco. Après avoir fini ça, là, on va pouvoir faire la sauvegarde. Et on passera à la journée 6. Ok, tu devrais nous en laisser passer 7 à la fois. Ok, il m'en manque pas grand chose. Des fruits. Nice. Ça va être bon pour demain matin, ça. Good. Ben, je suis content quand même. Hein. On s'est bien préparé. Hein. Excellent. Nice. Fait que là, j'ai pensé. Check ça. Ben là, on va voir, est-ce que je peux installer... Oh oui, j'étais à la bonne place. Oh. Le feu de camp. Ok, oui, fait que je peux... Une chance. J'aurais dû l'essayer avant, là, mais j'avais tellement peur de... Ok. Mais c'est pas ça que je pensais. Ça ici. Checkez ça. Okay, on a bâti le shed, fait que là, on va se bâtir un mur. Ok, ça fait pas là à cause du feu de camp. Alright. Alors là, je peux éliminer le feu de camp là, sans problème. Et voilà. Bamboo! Okay. Un mur ici. Hein? Puis il n'est pas dispendieux à faire. Ben, il n'est pas dispendieux. C'est qu'il est facile à faire. Je pense que je pourrais en installer juste un là aussi. Alors, ça te prend 9 longs bâtons de bambou. Juste là, comme ça. Tu vois? Ça va donner une petite protection. Parce qu'apparemment que quand on aura ce feu-là installé, là, ils nous disent « Beware ». Alors, ils nous avertissent que ça se peut très bien qu'on attire des choses qu'on veut peut-être pas attirer. Mais nous autres, on veut l'attirer parce que c'est ça qui est le fun. Tiens, on va se faire la pièce d'armure. Avec la coquille de la bibitte. Et puis ça va couvrir notre jambe. Alors, ça, j'ai-tu assez de cornes? Ouais, plein. Ok, voilà. Parfait. Et il me semble qu'il est pas, son pourcentage n'est pas élevé. Ça, c'est 33. Ah, 50. Ok. Alors, il faut que je fasse plusieurs armures de la même catégorie pour que le pourcentage de durabilité augmente. Alright, good to know. Bon, ben, avec ça, mes chers amis, c'est terminé. Alors, on se voit, bien sûr, dans la journée 6. Allez, à la prochaine.